peux vous renseigner? Je peux voir votre chef, s'il vous plaît? Chef, il y a un jeune qui veut parler à un responsable. Vas-y, fais entrer. Ouais, viens. C'est pour quoi? C'est pour une chambre, s'il vous plaît. Tu te fous de ma gueule? C'est pas un hôtel, ici? Bah, l'entrée, c'est marqué hôtel de police. Dégage avant que je m'énerve. Allez, casse-toi! Écoutez, il vaudrait mieux que je sois enfermé parce qu'en fait, je suis un grand criminel en puissance. Et si je reste dehors, j'ai peur de faire des bêtises. T'as déjà commis un crime? Non. Alors, tu sais quoi? Reviens nous voir quand on aura commis un. Je te donnerai une belle chambre, ok? Ok. Ah! Oh le con! Allez, à terre! À terre! Oh mon nez! Bouge pas, putain! Bouge pas! Bouge pas! Ouverture porte 14. T'as de la chance, il ne restait plus qu'une chambre. Mais tu vas pas t'accommoder par la vue, hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'œil? Je suis pris une porte. Ça te va comme réponse? Ouais. Merci d'en vouloir, Croix. Bouge pas, petit con, tu ne peux pas sortir de là! Alerte sécurité! Alerte sécurité, les portes sont bloquées! T'en as mis du temps. Tu veux que je revienne plus tard quand tu seras de bonne humeur? Non, ça ira. Ça fait plaisir de te voir, mec. Moi aussi. C'est la merde dehors, t'es sûr que tu veux sortir? Ouais, j'ai des comptes à régler. Bon, t'as un plan? Parce qu'en plus, il fallait que j'aie qu'un plan. Ah ouais, quand on s'infiltre, faut toujours voir comment on ressort. D'ailleurs, comment t'es rentré ici, toi? La prison, c'est jamais bien compliqué d'y rentrer. Ouverture porte 16. C'est pour en sortir que c'est plus difficile. Ça va, t'as la pêche, toi? Ouais, ça va. Viens, on va prendre un raccourci. C'est ça, ton raccourci? Damien s'est échappé de sa cellule. Ne me dis pas qu'il a réussi à sortir du bâtiment. Non, apparemment, il est encore interne. T'avais pas plus discret comme chemin? Plus il y a de monde, plus c'est discret. Et là, on fait comment? Je réfléchis deux secondes. Ils sont là, c'est tu vois, tu réfléchis trop. T'as une idée sans réfléchir? Moi je fais diversion et toi tu joues les Spider-Man. Son bureau c'est le 117. Ramène n'importe quoi qui puisse nous servir d'indice. On se retrouve où? Bah là je devrais pas beaucoup bouger d'ici. Allez vas-y fonce. Restez assis sans rien dire, il va rien vous arriver, vous avez ma parole, ok? Où est-ce qu'il range ces dossiers perso? Et vous avez pas le code?
Bonjour. Est-ce que l'un d'entre vous a un ordinateur qui bouge tout seul? Ah oui, moi. Service technique, c'est moi qui vais vous installer le nouveau serveur. Mais avant, il faut que je me débarrasse de l'ancien. J'ai trouvé. Merci, messieurs. Et que tu laisses la justice régler tes problèmes plutôt que tes points. Roland, j'ai rien fait, tu le sais très bien. Je sais, oui. Les prisons sont pleines d'innocents. Maintenant, tu t'allonges et tu la fermes. Accueillant chez toi. Je sais, mais c'est pas toi qui m'avais promis que ça changerait. Tu auras toujours un connard comme toi pour appliquer les lois. C'est pas les lois qui sont mauvaises, c'est les gens qui les appliquent. Ouais, comme les religions. D'ailleurs, t'es quoi toi? Moi, j'ai été baptisé quand j'étais petit. Mais ma seule bible aujourd'hui, c'est le code civil. Quoi? Ma seule bible, c'est le code civil? Putain, heureusement quand t'étais petit, t'es pas tombé sur un manuel de cuisine. Bon, on bouge, mon philosophe, on bouge. C'est 2 millions d'habitants. Mais non, il plaisante. Pour du business. Laissez-les passer.